quoi je continuerai. Peut-être qu'il y a quelqu'un de sympathique qui pourrait m'offrir un café. Pauvre con, va. Oh putain. Oh putain, le con. Oh le con. Il est tellement con, c'est un truc de ouf. Oh cette violence. Oh cette violence de ouf. Oh le con. Ah mais en réalité, il a rallumé le courant. Oh. Ferme, ferme, ferme. Oh, 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 oh. Je suis dans la merde. Oh putain. Allez, encore un petit effort. Ah. Pauvre con, va. Faites attention, vous êtes dans le horror show. Eh bien le bonjour mes amis, voilà, rebonjour. Alors on se retrouve tout simplement sur le Horror Show pour continuer la suite comme d'habitude. Alors sur Alien Isolation, comme d'habitude on va continuer notre histoire d'hier. Et on va essayer de se mettre dans l'ambiance, voilà, pour avoir peur encore. En clair on va continuer notre aventure. Alors il y a un truc qu'il faut surtout pas que j'oublie, parce que ça m'arrive de plus en plus d'oublier cette couille, c'est un truc de fou. C'est de sauvegarder, parce que dans Alien Isolation il faut savoir que ça sauvegarde pas automatiquement. Voilà. Ce qui fait qu'une fois sur deux j'oublie que, qu'il faut sauvegarder. Et je continue, et je meurs. Merci beaucoup pour ton follow, Kata. Merci beaucoup. Là, on le voit pas directement dans le Twitch alert, désolé. Encore heureux que je le vois dans les trucs récents. En clair, re à tous. Je vois que tout le monde est là. Zéliac. Salut, Relax, comment ça va? Re à VV. Oh, ça va super, moi, Relax, comme d'hab. Nickel. Zéliac. Et Kata, bien sûr, maintenant, une nouvelle personne qui fait partie de la Timber Girl. Comment vas-tu, Kata? Comment ça va aujourd'hui? Merci pour ton follow d'ailleurs. Pas de soucis, j'adore ce jeu. Ah, tu m'étonnes, il est classe Alien Isolation. Allez, c'est parti. Let's go. Désolé, je me suis trompé de scène comme un con. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, rappelez-vous, on s'était arrêté là. En fait, on avait sauvegardé hier. On va voir notre ami mourir là. On n'a pas su. Et on a fait que rater cette scène. C'est un truc de fou. Là. Là, oui. Je vais ramasser mes affaires. Dis-moi en plus. Allez. Par contre, fais gaffe, n'ouvre pas cette porte! N'ouvre pas cette porte! Je t'aurais prévenu. Non! Non, notre ami! Non! Il faut se barrer d'ici avant que ça nous arrive aussi. Je sais même pas où je dois aller. C'est où que je dois aller? C'est ici. Est-ce que... C'est là? Ah bah oui. Utiliser la carte magnétique. Nickel, on se casse. Je me cache d'ici, moi. Je veux pas finir comme notre ami. Alors, pas de soucis, Jadin. Très bien, et vous? Oh, moi, super, nickel, Kata. Nickel, comme d'hab. Comment tu t'es perdu sur cette chaîne, d'ailleurs? Putain, il y a mon truc qui tourne. Je ne veux pas autant de lumière, s'il te plaît. Ne m'éblouis pas devant tout le monde. Voilà, je remets le truc parce que ça a tendance à bouger. Ouais, mais c'est un fou, ça. Ça bouge encore. Bon, vous le voyez pas, mais je me fais éblouir par mon truc. Voilà, c'est bon. Alors. Bien, merci. T'as vu, il mate en haut derrière toi. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. De quoi? Ouais, moi je suis mort 5 fois hier. Ah, moi j'ai fait de la merde hier, hein, sur Alien Isolation, c'est clair, Ilex. Mais j'ai galéré. En plus, le jeu il a bugué. Il a fallu en plus que je fais aller mon cerveau parce que le jeu il a bugué en plus. C'est pas comme si. Il a carrément bugué en plus, c'était déjà dur. Il m'a dit qu'il fallait faire un truc, il fallait pas le faire. Il fallait que je retourne à l'endroit principal, à l'accueil quoi. Et ma lumière qui revient là. Oh, tu m'éblouis. Putain, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Alors. Oh. Oh. Une nouvelle arme. Un taser. Ça va me servir à quoi, ça? C'est pas mal. Faudrait voir sur les robots si ça va pas les désactiver ou une couille ou quoi. Je cherchais un jeu d'horreur à mater. Ah bah t'as... Ah bah là, t'es tombé sur le jackpot, Kata. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, il faut savoir que je live tous les jours à partir de 21h. Mais surtout, n'importe quoi en jeu, tu vois. Il y aura toutes les nouveautés par la suite. Il y aura plein de choses et tout. Et mais par contre, tous les soirs, ça veut dire 21h, je fais mes lives, mais 2h après, à 23h, je fais une série que j'appelle Horror Show, ça veut dire tous les soirs à 23h, je fais des jeux d'horreur, en votre compagnie tout simplement, vous me voyez avoir les boules.
Et dès que j'en finis un, hein, j'en passe à un autre et ainsi de suite. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a Outlast que tu peux voir en rediffusion. Outlast 2, il y a Hector, Layer of Fear, Resident Evil 7. Il y a tous ces jeux-là que j'ai fait. Je fais gaffe parce que je l'entends. Et en clair, tous les soirs, tu verras du horror show en général sur ma chaîne. Ce qui fait que si tu aimes les jeux d'horreur, bah, t'es servi parce que chez moi, tu verras tous les jeux d'horreur. Y compris Blair Witch, qui est un jeu d'horreur qui a l'air d'être du lourd, qui va sortir en août. En clair, lui, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Je le dis honnêtement. Les vidéos que je vois, ils ne m'inspirent pas confiance sur ce que je vais devoir endurer. Quoi. Bah bon. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Ah ouais, je dois remettre tout, moi, en réalité. Alors attendez, je vais lire les coms, parce que je vois qu'il y en a pas mal. Alors, le mec avant de Quick. Salut Nado, comment ça va? Elle a grillé. Je viens de capter, mais t'as changé ton micro et la cam. C'est ça en réalité. La cam non, mais j'ai changé la manière de mettre mon micro en réalité. Mais j'ai changé, ouais, c'était pas le même micro. J'utilisais le Spark avant, mais il buguait. Et ça m'a saoulé. Par contre, la lampe, je vais faire quelque chose, je vais l'insulter, je pense. Attendez, parce qu'en réalité, elle se retourne. Et à cause de ça, elle m'éblouit. Et moi, j'ai du mal à jouer. Voilà, si je suis comme ça, elle ne m'éblouit plus. En vrai, je vais peut-être jouer comme ça. Moi. Voilà. Comme ça, je suis bien, je suis dans l'acte, je suis bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Trouver un kit d'urgence. T'es marrant, toi, avec tes conneries. Et je le trouve où, ton kit? Oh putain! Ah oh, ben, je suis mort. Ah, il m'a pas respecté. D'accord, je savais pas qu'il pouvait descendre ici, je pensais que j'étais dans un endroit safe zone. Bon, maintenant on le sait qu'il peut venir de partout, quoi. Maintenant on sait qu'il vient même ici. C'est bon, hein, quoi. C'est bon à savoir. Ah, ça te plaît, Katin, hein. Il a souvent peur. Ah oui, moi j'ai toujours peur, hein. Je suis une victime. Et il se met dans le personnage. Ah oui, moi je suis totalement dans le personnage. J'ai toujours été comme ça, même à l'époque de YouTube. J'ai fait Resident Evil 7, c'est le dernier que j'ai fait, je me suis chié dessus, c'est clair. Surtout qu'en plus, Kata, je peux te conseiller de regarder les rediffusions si t'en as envie, parce que moi j'ai fait Resident Evil 7 avec le casque VR. Et casque VR, c'est lourd. Ah, c'est lourd. T'as envie de chialer. Hein. T'as vraiment envie de chialer. Ouais, t'as vu, hein, ado. Alors, on reprend le taser. Bon. On va pas courir, j'ai couru, je vais pas courir. Maintenant, je sais qu'il peut venir même maintenant. En clair, c'est bon à savoir. Ah, oui, j'adore. Moi aussi, j'adore le refaire. Ouais, il est classe, hein, Resident. J'ai fait un jump, là. Tu m'étonnes. Je vais voir ça, alors. Ça marche, pas de soucis, Kata. Alors, bon, on va refaire tout le bordel, machin. Voilà. On va éviter de courir. Hein. On va éviter de courir. Voilà. Je sais pas s'il fallait faire ça. On va remettre les trucs là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il en manque un. Alors, on doit, bah, forcément, logique, le trouver. Alors, ce que je vais... Ouais, non, c'est peut-être tôt, c'est peut-être inutile. Je peux sauvegarder, mais pour le peu que j'ai, peut-être con. Là, je peux. Ouais, mais là, il n'y a rien. Ah, si, il est là. Oh, le vent. Là, ça me fout un stress, un vent pareil. Prends-le. Faut faire gaffe surtout de ces zones-là, hein, ces trucs-là. Parce que des fois, il y a l'alien carrément qui est au-dessus et qui t'attend pour te bouffer. Il te respecte pas, hein. Il se met au-dessus et il se dit « J'attends que t'arrives !» Et après, toi, tu passes en dessous en pensant qu'il n'y a rien, il te mange. Ça m'est arrivé hier, ça. Bon, là, je sais pas ce qu'il fait. Il passe l'aspirateur ou on sait pas. Merde. Merde, il est au-dessus de nous. Oh, on va pas s'entendre, toi et moi, hein. Tu restes là où tu es. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas. Nickel. Ça va nous permettre de dégager des choses. Voilà. J'attends SCP, moi. T'inquiète, on le fera SCP à un moment, Nado. Même si ça sera avant le horror show. Ouais, bah ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer avec SCP. On verra bien, hein, par la suite. Bon, alors là, je dois faire quoi? Attendez, parce que j'ai plein de pièges, les gaspilles pour me faire gagner de la place. Parce qu'au moins, je peux ramasser d'autres conneries. Alors. En tout, tous les graphismes sont géniaux sur Alien, pas mal, pas mal. Ah oui, oui, le jeu est très beau. Alien est très beau, hein, de base. Il faut dire, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, d'origine. Il y a peut-être quelques années, même pas un an, je crois, un an et demi, peut-être, je sais plus. Alors, purification d'air. On va le mettre dans le conduit. Je sais pas ce que ça fait. Hein. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Ok, on ramasse. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Merci. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley.
Ok, alors ce que je veux faire, c'est que je dois aller où maintenant? Je sais pas si je dois me barrer, mais on va sauvegarder pour pas prendre de risque, sinon on va tous se retaper si on crève. J'ai pas envie, moi, ça me saoule. Voilà. On se croirait dans l'arche pour les connaisseurs de The 100. Ah, oh, je connais pas, moi, par contre. C'est écrit sur ta carte quoi faire. Ouais, ouais, ouais. Faut pas courir, hein. Faut clairement pas courir. Surtout qu'il est là. Oh, petit enfoiré, il est au-dessus de ma tête. Tu peux rester là où tu es, hein. Oh putain, je crois qu'on doit aller dans le conduit. Oh la merde, on doit aller dans le conduit. Là où il est en plus. On va s'en prendre une. Oh putain, on a une échelle qui n'en finit pas. Elle fait 15 mètres de haut. Alors, oh, ça fait peur le bruit de ses pas. Bah oui, parce qu'en réalité, il est dans les toits. Tu vois, il est dans les conduits, Kata. Et une fois sur deux, ça le tilt. Oh, j'ai envie de descendre, j'ai envie de faire chier. En clair, des fois, il faut faire gaffe parce que il nous fait une petite surprise pas calculée. Hier, j'ai vraiment stressé dans ce jeu. Oh putain, j'ai cru que ça ressemblait à l'endroit qu'on était hier, je me suis dit. Alors non. Oh, c'est pas ici, quoi. Et on l'entend, hein. Il est vraiment pas loin, hein. Ce petit enfoiré. Faut faire gaffe. Faut fouiller un petit peu parce qu'il y a des pièces qui servent pour la création de choses. Oh putain! Oh le con! Oh bah là ça fait du bruit. Putain, il est là, il est descendu. Je peux me cacher? Oh, je peux me cacher. Oh, tu m'étonnes, avec une explosion pareille, ça a carrément fait un boucan de malade. Il est là, il est avec nous. Tu peux rester là où tu es, hein? Oh, j'ose plus sortir. Il est là. Moi, je me souviens avec Adrien, Julien, toi et moi, quand on faisait du Alien. Ah, c'était classe, Alien vs Predator à l'époque. Ils ont vraiment refait pareil comme dans le film. C'est génial, la nostalgie du film. Ah bah oui, c'est ça qui est classe. C'est comme le film, c'est vrai ça. Bon, on va sortir. Faut faire gaffe, hein. On va vers lui là. Oh putain, il est là. Oh putain, il a monté le conduit au moment où on l'a vu. Oh, c'est chaud. Merde, il est ressorti. Putain, c'est par là en plus. Pourquoi je suis plus là? C'est là. Je suis dans la merde. Oh putain. Ah, il est là. Oh le con. Il y a juste une chaise qui me protège. Oh, c'est chaud. Comment je fais? C'est trop risqué. T'as vu ça, la chance, Zeliak? Je suis tellement un château dans la vie, c'est un truc de fou. Regardez, il est en face. Putain. Ah, j'ai cru qu'il allait venir dans la pièce. Oh, c'est chaud. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Ah oui, d'accord, ok. Oh, je suis vraiment pas à l'endroit, quoi. Ok. Il faut se méfier, il est là, notre ami. Je comprends pas où je dois aller. C'est par là? Bah, arrêtez, je dois revenir à l'endroit où j'étais. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, mais la musique, elle est angoissante, hein. En plus de l'action qui est déjà pas top. Mais la musique n'aide pas, hein. Ça c'est sûr. Oh, il est là. Je pense qu'il est là. Ça va. Ok, alors je dois faire un truc ici même. Peut-être sur le PC comme un con, j'ai pas regardé.
crois pas que j'ai regardé. Ouais, voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Okay. Ici Lingard. Ici Lingard. Médical supérieur de Sébastopol. Dis-moi en plus. Je voudrais que. Que ce ah, super. Soit bien clair pour wow, les on archives. En sait tellement grâce à ça. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom. Oui. Le chef d'opération de Sixon. Oui. Il a proféré des menaces envers ma carrière et envers ma formation. Ma carrière, oui. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. C'est vrai. J'ignorais à quel tu sais m'en dire de plus. J'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Ah oui, l'alien. Alors forcément, tous les connaisseurs d'alien savent qu'à l'origine, l'alien se crée directement dans le corps de la personne. Quoi. Ce qui allait se passer. Tu tapes l'araignée sur la gueule, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait ça quoi. J'ai vu un code 2137, me semble, ça peut servir. Ah, pas mal, ouais. J'ai pas vu ça. Zélia, ça peut servir, ouais. On sait jamais, retenons-le. 2137. Bon oeil, ça, ouais, c'est clair. Un sacré oeil qu'elle a, Zélia, je l'ai même pas vu. Bon, on doit se barrer. Ah, il est encore ici avec nous, hein. Le con. Oh, il va me trouver ce con. Oh, j'ai vraiment cru là. Oh là, j'y ai cru. Je me suis dit, là, c'est mort. C'est bon. Je pense qu'il a dû se barrer dans son conduit vu la rapidité. Ah, mais on est mal. Il faut pas se barrer quoi. C'est où? Comment on part d'ailleurs? J'aimerais bien la savoir celle-là. Oh putain, je sais même pas comment on part. Derrière nous. Oh quelle merde. Oh quelle merde. Putain, il est trop près. Oh c'est chaud. C'est chaud. Putain. Ah, rentre dedans. Il est là. Oh, il est juste là. Oh, putain. Oh, la merde. Oh, la merde. Je ne suis pas là. Wouah. On a tellement de chat, c'est fou ce qui nous arrive aujourd'hui. Oh mais là j'ose plus sortir, je peux plus sortir là-haut. Je fais comment? Oh c'est la merde là, je fais comment? Il est où? Ah il est toujours dans l'axe, un bordel, je fais comment? Oh le con. Je suis niqué, je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre qu'il s'éloigne, je sais rien faire. En plus, il est là où je dois aller. Parce que moi, je dois aller dans ce sens. C'est que je sais rien faire tant qu'il est là. Tu peux rester là où tu es, hein. On peut devenir amis. Non, encore heureux qu'on a le détecteur. Sans ça, je serais pas dans la merde, moi. Ah mais on sait pas aller par là, y'a rien là, c'est vide. C'est forcément par là alors. C'est chaud, c'est chaud. Oh putain c'est chaud. On fait pas peur comme ça, c'est pas gentil. Oh mais où je vais? Ah c'est pas vrai, je vais pas au bon endroit. Au bon endroit. Oh, je peux peut-être pirater. Et y'a un truc de sauvegarde là en plus. Ok, c'était bien ici qu'il fallait que j'aille. Ok, il y a un truc de sauvegarde, on va sauvegarder direct. On est de l'autre côté du feu, ok. Ah,
Allez, on sauvegarde, elle m'en fout, moi. Allez. Tu m'étonnes, ça fout les boules, ce jeu, Zeliak, c'est un truc de fou. Mot de passe requis. Non, c'est ça que je recherche. Mot de passe. En fait, t'avais peut-être raison, Zeliak. J'avais peut-être le mot de passe, et comme moi, je l'ai pas vu, enfin, ça me l'a pas comptabilisé, quoi. Attends, on va peut-être regarder sur ce PC, on sait jamais. Bah oui, mais je peux pas le rentrer, en réalité. 2505. Est-ce que ça marche? Oh, ma magnifique. 2000... Non, c'est 505. Nickel. Allez, prends ça et on se casse. Samuels, j'arrive. Normalement, on va pouvoir ouvrir la grande porte. Je préfère prendre mon temps. Hein. Vaut mieux. Voilà, nickel. Et c'est où qu'on doit aller maintenant? Oh putain, c'est loin. Hein. C'est vraiment loin. Hein. C'est un vrai cauchemar ici, Samuels. Qu'est-ce qu'il y a? Me fais pas peur comme ça, hein. J'ai assez peur comme ça. Moi, j'ai un cœur fragile. Oh, on a le lit pour nous sauver. Gardons cet emplacement. Qu'est-ce qu'il y a devant là? Oh putain, il y a un truc devant. Content de vous voir. Putain, c'est des mecs. Ça va, c'est des humains. Ah, je vois pas bien et c'est ça fait peur. Oh putain, je l'ai pas vu juste là. Oh la merde, oh la merde. Oh putain. Il va falloir qu'on dorme bientôt. Oh, c'est un truc de fou la chance qu'on a, je les avais même pas vus. Ouh. Les chauffe. Bon, on fait quoi là? Il prend le passage là. Cassez-vous là-haut. Moi je peux plus bouger. Je pars pas, je fais comment? Il y en a un là, il y en a un là. Personne ne viendra nous sauver, pas vrai. Cassez-vous! Ah ouais, il y a encore des survivants, ouais, Kata. Mais plus beaucoup, quoi. Hein. Et le trois quarts, ils se font même plus confiance, tu vois. En vrai, je suis dans le noir, je suis pas sûr qu'ils me voient. Hein. Même moi, je les vois quasiment pas, alors. C'est où? Oh putain! Oh, ils vont s'attaquer aux survivants. Les survivants, ils sont dead là. Je peux peut-être profiter de cette occasion. Dès que ça tire, je me casse. Ça va tirer au bout d'un moment. Oh putain. Ok. Oh, je voudrais pas être à leur place, un peu de ouf. Ah, j'aurais pas dû venir là. Ah, je suis foutu. Ah, je suis foutu. Et voilà, je suis foutu. Ah, j'ai tellement pas eu de chance, c'est un truc de ouf. Mais je pensais pas, je pensais qu'il était occupé avec les gens là. Oh, c'est chaud. Il est dur le jeu quand même, on va pas se mentir. Oh, il est chaud quoi. Déjà ça stresse mais c'est chaud quoi, putain. Bah ouais, on est là en plus. Bon c'est pas grave, c'est ça prend 2 secondes. Au pire je sais plus ou moins qu'il va y avoir des mecs et tout. Je peux peut-être justement me servir du fil que je connais maintenant. Ça devrait peut-être aller vite en vrai. Attendez, on va reprendre la vieille carte de merde là. 2505, voilà. On prend la carte, donne à moi, merci. Ah oui, il est super dur hein, le jeu Kata, c'est clair. J'arrive. Et ce que t'as déjà fait, Layer of Fear? Bah justement, Layer of Fear, je l'ai fait il y a pas longtemps, justement. J'ai fait les rediffusions, enfin il y a les rediffusions si tu veux les voir. Il est vraiment énorme, hein. Mais pas le 2 par contre. Le 2, je sais même pas s'il est encore sorti. Il est sorti. J'ai fait le 1 récemment, si ça t'intéresse. C'est un vrai cauchemar, mais le 2, non, j'ai pas regardé s'il était là. Alors, s'il est là, je l'achèterai. Je le ferai.
Ok. Alors, on est pile poil là où on est mort. Là. C'est ici qu'on est mort. Et c'est ici qu'on doit aller. Magnifique. En vrai, on a perdu 2 secondes de notre vie. C'est là. Samuel, c'est bon. J'ai les médicaments. J'ai ce qu'il faut. Je dois retourner où maintenant? Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Oh putain, je dois tout faire ça. Je dois faire tout ça. Oh, quelle merde. Nous avons entendu le tir. Je vais galérer. La créature aussi. Pas vrai, il y a de l'activité de partout. Il y a de l'activité de partout. En plus, où sont les mecs? Ok, c'est dans cet axe. Elle est morte? Elle est vivante? C'est quoi? Ok, elle est dead. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Je dois me méfier à la fois des mecs et du monstre. Normalement, je suis dans l'axe, j'espère en tout cas. Putain, je les vois, les gens. Ils sont là-bas au fond. M'attaquez pas, on peut devenir amis et tout et tout. Le mal de mer, ouais, c'est ça. Ah, il est sorti? Ah, il faudrait que je regarde, Kata. Bah, c'est gentil en tout cas de l'info parce que je savais pas qu'il était sorti. Il est sorti quand? Il y a pas longtemps alors, parce que quand j'ai voulu voir il y a quelques jours, il était pas là. Ah, il est sorti récemment là. On va essayer de lui foutre un coup de taser. On va essayer. C'est la dernière. Allez. C'est bon. Putain. Putain. Il a entendu le bruit. Oh, c'est un truc de ouf la chance qu'on a. Merci les caisses. Oh putain, il regarde autour des caisses, le con. Oh, je tourne autour des caisses. Oh, c'est chaud. Oh putain, il revient. Mais t'es déjà venu, pourquoi tu reviens, putain? Oh putain, c'est chaud. Ça joue sur rien, c'est un truc de fou. Oh mais c'est pas possible. Oh mais j'ai un coup de chance énorme. Oh le stress. C'est terrible. Faut qu'on se casse. Oh putain. C'est chaud. En plus on n'est pas dans l'axe de la sortie là, je comprends pas pourquoi. Bon, je me mets en dessous du lit pour voir vos commentaires. Normalement, je suis à l'abri. Wouah! Alors, et cette fois-ci, on peut mourir dans le jeu. Ah ouais, carrément, dans le nouveau Layer of Fear, il faudrait que je regarde. Alors, ça fait penser à Marguerite. Dans sa baraque merdique, c'est ça. Bon, je sais pas où je dois aller, hein. Par contre, je vous le dis clairement. Parce que j'ai pas l'impression d'être dans l'axe. Il m'a vu. Il m'a pas vu. J'ai eu trop de chance, mais c'est un truc de fou. J'ai payé le jeu. Oh putain. On va se la rejouer avec les caisses. Oh moi les caisses, je suis béni avec les caisses. Les caisses, c'est mes amis quoi. Jamais j'insulterai les caisses. Sans eux, je serais mort depuis une heure déjà. Putain, il a la dalle, c'est un truc de fou. Ok, je profite. Il a trouvé quelqu'un. Je profite pour aller plus vite. Par là, non? Putain, je suis pas dans l'axe. C'est fou ça où je dois aller. Si, c'est bon. Si l'autre il parle, c'est que c'est bon. Un truc de sauvegarde. On sauvegarde tout de suite. Oh merde, attendez, les conduits. Fais attention aux conduits. Et c'est bon, je suis sauvé. Wouh. Oh, c'est chaud.
Et pas vraiment un spoil, mais c'est aussi dans un rapport avec un art. L'autre, c'est la peinture. Lui, c'est un... D'accord, ah ouais, bah c'est vrai que déjà, bon, j'avais pas bien compris, moi, l'histoire du 1, déjà, de base, alors. Mais c'est vrai que j'ai... Ouais, bah si tu me dis que le 2 est là, je vais sûrement essayer de le faire, parce que moi, j'ai bien aimé le 1, personnellement. Et il foutait un stress, je trouvais qu'il foutait vraiment... Enfin, il faisait peur, hein, moi, je trouvais. Alors, là, s'il y a un 2, c'est cool, quoi. Allez, on allume le courant. C'est bon. Préparez-vous, l'alien va sûrement venir, il va sûrement l'entendre. On y attend. L'alien, moi je t'emmerde, ma. Super. Trop bien ce que tu me dis là. Oh, il arrive. Et il faut faire quoi? Oh, il y a des androïdes. Putain, il faut pas les réveiller, ils vont nous emmerder après. Ah, il faut sûrement peut-être activer le courant des deux côtés. Il y a peut-être un générateur là-bas. Je vais aller voir. Évitons les conduits. Ouais, il faut pas se faire avoir par ça, c'est bête. Voilà. Il y a un truc. Merde, merde, il y a quelqu'un. Ok, on allume le courant, c'est parti. Allumons le courant! C'est des gens congelés, c'est ça, en réalité c'est des, les androïdes, tu vois. Ça va peut-être les réveiller. Mais le problème c'est que ça va être nos amis, ça va être quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on doit les réveiller. Oh putain, regardez, il est là. Oh, il est là, regardez la bave. On l'entend même. Oh, c'est hard. Oh, si on aurait passé en dessous, on était mort. Ah, il y a un androïde. Ripley, d'accord. Est-ce que ça va? Ripley. Bon, bah, je l'espère sa vie, hein. Au pire, on essaiera de l'avoir, s'il vous plaît. C'est bon, pirate. Laisse-moi tranquille, mec. Oh putain, non, c'est pas notre ami. Ah, dégage. Oh putain. Lâche-moi. Oh, comment je fais? Medikit. Oh putain, j'ai pas le temps. Ah, attends. Ouvre. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Je dois aller où? On va sortir. Ils vont lentement, on peut profiter de ça. Mais je sais pas où c'est que je dois aller. Fermé. Là, c'est... Ah non, c'est bien par là, je me souviens. Il y a très longtemps, mais je me souviens. Je dois tout refaire, en réalité, je crois. Oh, ça va être chaud, surtout qu'avec l'alien. Allez. Question Discord. De quoi, Discord, Zeliak? Ah, dégueu. J'ai cliqué sans faire gaffe sur un salon privé, j'arrive plus à sortir. Je fais comment? au pire tu fermes l'appli direct, hein. Au pire avec elle. Je sais pas si j'ai bien fait d'aller ici. J'ai pas l'impression. Merde. Comment je sors? Je peux descendre? C'est quoi? Non mais c'est noir, hein. Je peux même pas allumer ma lampe. On voit rien, c'est fou. Là je m'enfonce, je sais pas où, hein. Oh, mais je suis revenu ici, mais c'est sérieux, j'ai fait tout ça pour rien. Oh, j'ai fait tout ça pour rien, putain. Bon, c'est... il est là, regardez, il est là. Petit enfoiré qu'il est. Petit enfoiré qu'il est, quoi. Ok, on va sauvegarder. Comme ça, même si on crève, c'est pas grave. Et on va essayer de se barrer. Je sais pas comment. Petit connard, bah. Il tue même pas l'alien. C'est chaud, ça. Il s'en fout de l'alien. De l'alien. Du robot.
fou ça. Oh, je suis dead. Oh putain, il a réussi à pas me voir, c'est quand même incroyable là, ce qui vient de se passer. Oh. J'ai tellement de chance. Je fais comment avec lui? Là, je suis bloqué. C'est qui s'en fout de la vie. Enfin, du robot. Regardez, il marche côte à côte. Bon, on a un problème, on doit aller là où il y a l'alien. Il veut pas se barrer. Mais là, j'ai carrément cru qu'il allait me bouffer, Kata, c'est clair. Là, je me suis dit, c'est fini, là. Mais regardez, putain, ils sont côte à côte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain. Voilà, je suis fini. Ah, j'ai une chance. J'ai de la chance, mais à la fois pas de chance parce que je peux plus bouger quoi. Il a tendance à revenir sur ses pas. Le petit con. Oh, je fais comment? Je vais me barrer de l'autre côté, il y a un conduit. Au pire. Ah, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud ce qui nous arrive. Ok. Là, bouge, bouge, bouge. Oh. Ok. On va revenir à l'endroit. On avait trouvé un conduit. Faut qu'on y retrouve. Faut qu'on le retrouve. Voilà. J'ai mis une pile. C'est parti. On va essayer de retourner au conduit. Comme ça, on aura un accès direct. Et au pire, on profitera quand il sera dans cette salle. On n'a pas déjà trouvé des solutions. Il veut pas que je m'en vais. Ah enfin. Mais cette musique. Ouais, t'as vu la musique, c'est terrible. Ah ouais, mais la musique clairement elle est là pour nous. pour nous mettre dans la tranquillité, le calme et tout, l'harmonie, comme vous avez pu le voir. Je suis où là? Oh, je suis où? Oh, je suis peut-être dans un endroit intéressant. Ok, je suis là. Je suis pile là où je voulais. Oh merde, 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 merde. Ah. Oh. Oh oui, nickel. C'est pareil, nickel. Faire attention aux conduits. On peut nous prendre, hein. On peut nous prendre par les conduits. Ok, je sais pas où je dois aller, mais on va essayer de trouver. Merde, il est là. Putain la merde, il est partout ce con. Il veut pas... Oh putain! Oh, je l'ai pas vu! Il y avait un mec devant moi! Oh, mais il faisait tellement noir! Oh putain, mais je croyais qu'il avait tout nettoyé, l'alien, mais il a rien nettoyé du tout! Bon, pas grave, on a rien perdu en réalité. Putain, il est derrière. Je profite. Il faut que je me méfie. Maintenant, je sais qu'il y a des gens. C'était pas calculé, ça. Ok. On est dans l'axe. C'est bon, on est bon. Faut juste que je fais gaffe aux gens. Mais je les vois pas aussi. Bah, regardez, on voit rien, quoi. Je sais fort comment moi qu'il y a un mec. Qu'il y a des gens, franchement.
Oh, c'est chaud, faut se concentrer là. C'est très chaud. Déjà pour les gens et pour l'alien. On y est presque. Non, ok, il est là. Putain, je sais pas où, mais il est là. Il est où? Oh, il est en face. En plus, on doit aller là-bas. Super! Voilà, t'entends, toi, et on te bouffera. MDR, l'enfant a peur. Tu le trolls, c'est ça? Je troll, ouais. Oh, c'est chaud. Il est là. Il est où? Putain, il est juste là, ma vue. Oh, il est là. C'est pas vrai. Je peux pas rouler autour des caisses. S'il vient, c'est fini. Bâtard. Oh putain. Oh là, je suis fini. Oh, c'est pas possible la chance que j'ai. C'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est en face, en plus c'est là, ici quelque part, je dois aller. Oh, il est là. Oh, je joue avec lui, c'est fou. Oh, ça fout un stress, c'est terrible. C'est fou, hein. Je sais pas où je dois aller en réalité. C'est une sur... Pourquoi j'ai fait un bruit de malade comme ça là? Elle fait pas de bruit, hein, fais pas ça. Hein. Oh, 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 oh. Oh, on est un fantôme, c'est pas possible autrement. On est un fantôme. Putain, il est là. Ah, je peux rien faire, je peux rien faire. Je suis fini. Ah, oh, c'est foutu. Oh là, c'est mort. Oh putain, il m'a sauté dessus direct. Oh. Oh mais c'est pas possible, c'est trop dur. Oh c'est chaud. C'est un truc de malade. Oh c'est un truc de malade. Oh c'est dommage, mais de toute façon c'était foutu parce qu'il allait forcément se retourner. Oh dommage. On est pas loin, on était à côté. C'est dur. Franchement il est dur le jeu. Mais on va y arriver parce qu'on était pas loin. Oh ben, c'est pas direct, c'est dégueulasse. On va y arriver un jour quand même. Ah, je peux directement aller par là. C'est des petits raccourcis. Ça, c'est bien ça. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, mais je vois rien. C'est stressant parce qu'en plus, je vois rien. Quoi qu'il en coûte, il est obligé de se mettre là, quoi. Il veut vraiment ma mort. Ah ouais, mais les caisses, ils me sauvent, mais pas là, quoi. Il est où? Oh, il est en face. Ah, j'ai du mal, je dois aller là où il est. Je sais pas comment je peux faire. Ok. Je me
Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. J'ai cru que j'étais bien, mais non, l'autre revient au même moment. On est obligé. Oh, c'est chaud. Ok. On est bon. Bientôt. J'espère que c'est par là. Ça serait vraiment bête de mourir alors que la porte est là. Je peux pas mourir. Oui, c'est bon. Oh, on peut devenir amis. Et boum. T'as tout tenté, au moins on le tue, cette bestiole. FDR, il est parti dans, dans le même truc, c'est ça, ouais. Ça m'angoisse de fou, bah tu m'étonnes, c'est bien. Cet allié est un peu con, j'ai l'impression, mais il fait flipper. Ah ouais, il fait flipper, ouais. Il est con, mais il fait flipper, c'est ça. Monte, monte. Allez. Un petit effort. En plus, l'allié, elle s'est accoulée derrière nous. Il va peut-être continuer à nous traquer. Je sais pas ce que tu dois faire, mais saute. Allez. Oh, c'est la merde. Allez. Tu vas pas mourir ici quand même. T'as évité un monstre qui va pas mourir par des flammes. Et par une chute aussi. Oh, tu dois sauter, t'as pas le choix. Ah non. Si tu lâches, tu meurs. Tu m'entends? Tu meurs! C'est bon. La gérer. Allez. C'est un coup l'alien vénère qu'il est. Parce qu'il a su une bombe dans sa face. Il va venir nous emmerder, je pense. Je l'avais dit hier que faudra peut-être passer par un de ces conduits. Oh oui, c'est vrai. Les conduits maintenant c'est devenu nos amis. Je la sens pas. Qu'est-ce qui nous empêche que l'alien se ramène dans le conduit? Il y a rien du tout. Il peut venir à tout moment. On croit qu'on est sauvé et bam, l'alien. Oh, c'est bon. On a évité la mort, mais qu'un soin, hein, là, dans cet épisode. C'est un truc de fou. Une fois, c'était l'alien qui nous colle, mais waouh, qui nous colle. Waouh, j'ai cru qu'on allait manger ensemble, tellement que... Hein. Après une explosion dans notre face, elle est immortelle, cette femme. Elle est immortelle, notre perso est immortel, il peut pas mourir. C'est pas possible autrement. Marguerite a presque l'air d'une vieille normale à côté. C'est vrai, Marguerite a l'air d'être... une vieille moche normale à côté de l'alien. Défaut, nanana. Bon, comme je vois, il y a un conduit. Je ne vois que là. On doit aller. Alors, c'est parti. Par contre, je suis d'avis de sauvegarder, moi. Il n'y a pas un truc de sauvegarde pas loin. Je vois qu'ils sont radins, mais... moi, si je perds, c'est tout le truc que je dois refaire. Alors, j'ai pas très... Hein, j'ai pas trop envie. Ah, il y a un mort dans le conduit, c'est ça que je vois? C'est un mort, c'est quoi? Ah, c'est du câble. Ah, c'est du câble, j'ai cru que c'était un mort. Ah ouais, il va pas faire bas comme ça. Moi, le conduit, je veux qu'il reste propre et tout pour ma venue. Ah, si je meurs, j'ai vraiment pas le droit de mourir. Oh, un point de sauvegarde. Il manque un morceau. Il faut que je répare ça.
Voilà, c'est bon. Réparation requise. Merde, il y a de l'activité criminelle. En vrai, il faudrait peut-être envisager d'en tuer. On peut se le permettre. Je dois faire quoi? Chut. Oh putain, il y avait un mec. Oh, je l'ai tasé. Oh. Oh, voilà. Voilà, je me suis complètement fait avoir comme un. Ouais, c'est de ma faute. En réalité, j'avais pas vu le mec derrière moi. Mais je vais peut-être faire un truc dégueulasse. C'est peut-être bâtard ce que je vais faire, mais je vais tirer. Et peut-être que le bruit va ramener l'alien. Moi, je me cache et il tue les mecs. Ça peut être dégueulasse, on va essayer. On va essayer, ça peut être drôle ça. En plus, on a un conduit. Bah ouais, on a un conduit. Je me cache dans le conduit. Alors arrête de paniquer et calme-toi. Ouvre-toi. Ah. Oh putain, il vient aussi dans le conduit. Oh merde. Ok, alors on va se la refaire, ça marchait bien, sauf que j'avoue que j'ai fait un peu de la merde, je suis rentré dans le conduit trop tard. On va tirer, je vais rentrer dans le conduit. Lui pour lui, ça va, parce que les mecs après ils vont vouloir me tirer dessus. Et c'est eux qui vont faire du bruit. Ma technique elle va marcher, regardez. Voilà. Oh putain. Stop. Oh, ça marche. Oh, ici il y a un nettoyage qui se forme. Oh, je suis tellement dégueulasse. Je suis tellement dégueulasse. Ah, il est pas synchro. Merci de me le dire, Pierre. D'ailleurs, comment vas-tu? C'est gentil de me le dire, une fois sur deux ça bug, hein. Alors je dois relancer en réalité le truc. Faut pas hésiter de me le dire, ça prend deux secondes. Voilà, c'est bon, problème résolu. Et voilà, comment faire son enfoiré, vous m'appelez, hein. Voilà, je viens de tuer les mecs sans rien faire en réalité. J'ai tiré une balle, c'est tout. L'alien a fait le reste. J'ai cru qu'il allait spawn sur moi. Ok, je sais pas où je dois aller par contre. Oh, j'ai fait de la merde. Elle est où l'alien? Là, peut-être par là, c'est peut-être par là que je dois aller. Je sais pas. Oh! C'est ouvert, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est là. Et je crois que c'est là que je dois aller. Play de G. Ah non, je suis pas serein, c'est sûr, Pierre, c'est sûr. Ça, c'est sûr, avec l'alien qui me traque. Ça, c'est clair. D'ailleurs, comme j'en ai parlé, hein, d'ailleurs, hein, moi je suis personne, mais comme je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui a le Twitch Prime, je vous invite à vous sub, ce qui vous ne coûtera rien, si vous voulez me faire plaisir, voilà. Au final, voilà, vu que c'est donné avec Amazon, vous ne payez rien. Niveau de sécurité trop élevé. Sérieux, c'est un niveau 1, c'est une blague ou quoi? Bon, déjà, on a sauvegardé, ce qui fait que même si on meurt, on revient là, c'est très bien. Et là, on va peut-être devoir pirater. Non, élevé, merde. Wow. Qu'est-ce qui se passe? On va se soigner. Le son de ton jeu est fort comparé à ta voix. Ah ouais? Enfin, c'est pour rester dans l'ambiance, Pierre. Par contre, je comprends pas pourquoi.
Y a quoi là? Je comprends pas. Je peux pas aller comme je vois. Mais on va descendre. Merci beaucoup pour ton host, Pierre, c'est gentil. Bon, je sais pas ce que je dois faire. Je dois chercher quelque chose. Oh, c'est quoi ça? On va regarder dans le PC. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On voit, non? Ok, invalide. Oh, ça sert à rien. Y a rien. Y a rien d'intéressant. Ok. Je peux pas. Oh là, y a plein de zones fermées. Je sais pas ce que je dois faire. Oh, c'est bon. Utiliser l'androïde. Oh, je vais avoir un allié. Oui. Il va se faire défoncer par le truc, mais... Rétablir le courant. Trouver un moyen d'allumer l'androïde de réquisition. D'accord, bah je sais pas comment ce que je vais faire pour rallumer le courant. C'est pas terrible ça, dis donc. Alors comment on fait pour se sub sur téléphone? Très bonne question, Pierre. Je vais pas te mentir, très bonne question. En réalité, il faut savoir qu'avec Twitch Prime, en réalité, comme tu as pu le voir, tu as le petit logo de Twitch Prime à côté et tu peux te sub à une personne, en réalité, maximum une personne avec ton Twitch Prime. C'est gratuit, tu payes rien, en réalité. Ça fait partie de ton abonnement Amazon. Par contre, c'est à toi de le renouveler constamment. Ça veut dire, imaginons, c'est un exemple, mais tu veux te sub ce mois-ci avec quelqu'un, le mois prochain avec quelqu'un d'autre, ou imaginons tu veux te sub à une seule personne. Eh ben, je pense, tous les mois, ça va pas se renouveler tout seul. Ça sera à toi de revenir et te resub quand le sub est de nouveau disponible. Maintenant, pour se sub via téléphone, j'avoue que je connais pas du tout. Normalement, je pense que tu devrais avoir mon nom. En haut, peut-être à droite de ton téléphone, tu as peut-être s'abonner. Ça, normalement, ça porte ce nom. S'abonner. Et là, je suppose qu'ils vont te proposer de te sub gratuitement vu que tu as le Twitch Prime. Maintenant, j'avoue que sur application comme ça, je connais pas du tout. Moi, c'est surtout sur PC que je connais un peu, alors... Ouais, je vais peut-être pas pouvoir trop t'aider. Ah, c'est bon! Nickel! On a le niveau 2. On va pouvoir normalement pirater les autres zones. C'est bon. Magnifique. Là, on va aller ouvrir tout ça et on va aller voir. Elle est pas belle, la vie! D'ailleurs, on va sauvegarder. Hein. On n'est jamais trop prudent, comme on dit dans le milieu du gaming. Allez, nickel. Merci. Bon, alors là, clairement, on voit qu'il n'y a rien. On peut rien faire, quoi. On peut pas allumer le courant par ici, rien. Alors, je pense que le secret, c'était tout simplement d'avoir le niveau 2 en piratage. Maintenant, retourner dans les zones qu'on n'a pas su voir tout à l'heure, qu'on n'a pas su ouvrir. Et peut-être que là, ça va nous autoriser d'allumer un courant, une connerie, ou je sais pas. Je vais remonter l'échelle. Il y a peut-être une zone où je peux pirater. Ah bah oui, c'était ça qu'il fallait pirater. Eureka, comme on dit dans le milieu. Voilà, c'est bon. Alors, 3. Petit logo moche, là. Le 5. Et un sort de C tordu en forme de je sais pas quoi. Voilà, c'est bon. Et là, normalement, le courant est mis, non? C'est bon. On a notre Android personnalisé. Oui, je vais lui mettre des stickers. Ne cours pas, ne cours pas. Non, notre ami va venir. C'est pas grave, je vais appeler notre androïde. Il va faire le ménage, il va se vénérer. Faut que je fasse gaffe. Je fasse gaffe de quoi? On va faire une expérience, on va se mettre devant l'androïde, on va voir si c'est notre ami ou pas. Bonjour. Comment ça va? Tu es notre ami ou pas? Ah, tu es mon ami, c'est bien. Dépôt de composants. Oui, un dépôt de composants, oui. Rayon B, suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit. Allez. Je te suis, mec. Allez, on recharge tout. On profite de cet instant. Au pire, Pierre, si t'en as envie, ça, après c'est à toi de voir. Hein. Moi, j'incite personne, bien sûr, à le faire. Mais là, comme t'as pu le voir, il y a le Nightbot qui t'a envoyé un lien directement dans le chat. Et ce lien te redirige directement sur la page de sub. Je sais pas si ça peut t'aider vu que tu trouvais pas. Allez, carte d'accès. Oh, il a tout ouvert, mais c'est un génie cet androïde. Ok, je dois faire quoi maintenant? D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Votre cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée. Et je dois faire quoi, mec? Je
comprends pas. Oh là là. Ça a l'air compliqué tout ça. Il est où notre androïde? Non! Androïde! C'était mon ami! Pourquoi on tue mes amis comme ça? Ça, c'était mon ami, quoi. Oh, j'avais un ami. Ça se fait pas, quoi. Tuer des amis comme ça. Ah! Alors là, franchement, je vais pas vous mentir que je ne sais pas ce que je dois faire du tout. On va voir. Voilà, il a mouru, Zeliak. Mais oui, c'était mon ami, quoi. Je suis dégoûté. Ah, je peux plus. Ah, si, je peux descendre. Mais je peux plus monter. On va descendre tout en bas. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Hein. Là, je fais des expériences. Descends, descends. Oh, merci, merci Pierre. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Avec sub, avec Twitch Prime. En plus, c'est vrai que c'est bien parce que tu payes pas ces trucs, c'est classe. Mais bon, après, c'est un truc, même si vous avez quand même le droit d'en avoir un en tant que Twitch Prime, il faut vraiment le faire avec la personne avec qui vous appréciez regarder, quoi. C'est pour ça que je t'incite d'ailleurs pas du tout par la suite ou quoi. Ça, vraiment, tu t'abonnes si t'en as envie. Mais un grand merci en tout cas, Pierre, pour ton sub. Un grand merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. On va être à 9 subs sur 15. Bientôt, la nouvelle emplacement d'émoticônes que je pourrais vous donner. On y est presque. Alors. Sérieux, je sais pas ce que je dois faire. Ah putain, je sais pas ce que je dois faire. Mais c'est quoi aussi les trucs là? Ils me demandent des trucs des fois. En bas. Est-ce que je dois tous les descendre? C'est ça la question. C'est trop pas juste. C'est tellement pas juste, j'avoue, notre ami. Bon, ça va, on s'est fait réconforter de la perte de notre ami Android par le sub de Pierre. T'as vu? Comme Pierre a été gentil, ça nous a réconforté de notre perte. Notre ami est mouru. Là, il y a 40 millions de plateformes à descendre, hein, c'est impressionnant. Bah moi j'ai Prime machin sur Amazon, mais comment ça se connecte? Bah j'essaie d'appuyer. Bah ça va, c'est dans les paramètres de ton Twitch en réalité, Zeliak. Tu vas dans les paramètres de ton Twitch et en réalité tu peux après fusionner Twitch à Amazon. Et en affiliant les deux, ça veut dire Twitch et Amazon, après tu as ton Twitch Prime directement fusionné sur ton compte. Et à partir de là, tu as le droit de te sub à une personne maximum tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, si tu veux même renouveler ton abonnement envers cette personne, tu peux. C'est gratuit, tu payes rien, ça fait partie de ton abonnement Amazon. Par contre, il faut payer l'abonnement Amazon. Si du jour au lendemain, tu n'es plus Prime avec Amazon, forcément, tu n'es plus Prime avec Twitch. Ça, c'est logique. Alors, après, on paye déjà l'abonnement Amazon. Bah oui, c'est ça, en réalité, c'est compris dedans, hein, vu que vous le payez déjà. Faut le lier, ouais. C'est la fusion qui se fait pas, justement. Ça me met erreur. Wow, c'est bizarre, ça. Non, dans les paramètres Amazon. Ah, tu le fais dans les paramètres Amazon, toi, Pierre. Putain, j'ai fait tomber le truc. Par contre, je sais pas ce que je dois faire ici, là. Je suis paumé. Attendez. Ouais. J'ai raté un épisode ou quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quelqu'un a une idée, s'il vous plaît? Quelqu'un est peut-être plus intelligent que moi, ici, dans ce chat. Quelqu'un ne sait pas ce que je dois faire? Parce que je suis pas très intelligent dans le milieu, et à cause de ça, voilà. Je suis un peu perdu, quoi. Je ferai le mois prochain, demain, on est le 1. Ça va pas être décoincé. Ça va peut-être se décoincer. Au pire, si t'as besoin, de toute façon, Zeliak, ça tu me dis. Hein. Si même tu vas aller sur Discord, vu que je sais que tu peux y aller, vu que t'as été tout à l'heure. Si tu veux, on se parle. En plus, dans un sens, on s'est jamais parlé, tu vois. Et je t'explique, hein, je t'aide, hein, s'il faut, y a pas de souci. Ça, c'est vraiment. En plus, en même temps, tu l'as aussi pour toi par la suite, quoi. Et t'as du contenu en plus sur certains jeux. Par exemple des skins sur Apex et Fortnite. C'est vrai, en réalité, mine de rien, avec Twitch Prime, ça a pas mal de bénéfices. Déjà, tu peux te sub à quelqu'un, t'as plein d'avantages avec les jeux. Franchement, c'est bien. Moi, je suis passé par Amazon dans mon compte et Twitch Prime et tu fais lire. Ah, c'est par Amazon, toi. Moi, je l'ai fait via Twitch même, en réalité. Peut-être te mettre sur les plateformes et les monter. Ah, j'avais pensé un peu à ça, Kata, c'est vrai, mais. Le problème, c'est que j'ai pas accès au bouton, tu vois, quand je vais monter au bout d'un moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais être niqué avec les boutons.
Ah, ou alors... Attendez. Ah non. Je me suis dit, je suis peut-être... Enfin, j'ai inventé un truc de con, mais... Je me suis dit peut-être que... Il faut peut-être faire... Tu sais, un sort d'escalier, tu crées un escalier avec les plateformes, quoi. Bon, c'est moi qui invente de la merde. Mais... Attendez, on va monter un peu. En haut. Ouais, tu vois, par exemple, là, si je me mets sur cette plateforme, je sais rien faire, quoi. J'ai pas de bouton, en réalité, dans mon sens. Oh, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Y a aucun bouton dans ce sens, en réalité. Je comprends pas ce que je dois faire. Maintenant, peut-être qu'il a fallu... Ah, je pense que j'ai compris. Attendez. Je pense que le secret... Et je pense que j'ai capté. Attendez, est-ce qu'on peut descendre? Là, on peut plus. Là, on peut plus. Mais là, on peut. Je pense que je dois descendre pour avoir accès de l'autre côté. Voilà, ici. Et tout se fait ici. C'est ici qu'on doit faire quelque chose. Voilà, c'est ici. Alors là, ça m'étonnerait qu'il y ait un truc à faire. Par contre, il y a un conduit. Alors, je suis curieux, on va prendre le conduit. Il y a peut-être un truc à... Ça va peut-être me mettre dans un chemin que seul le conduit peut m'amener. On va voir. On tente rien à rien, comme on dit. Moi, je suis passé... T'as l'habitude des voix de mec. Zéliac. T'as l'habitude des voix de mec. Non, mais comme ça, au moins, je t'aide. Et en plus, c'est vrai que moi, ça me dérange pas. Voilà, je parle avec tout le monde, hein, si vous voulez, sur Discord. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Et ta livraison en un jour ouvré. C'est vrai, t'as la livraison en un jour ouvré quand tu commandes des trucs sur Amazon, c'est pas mal ça. Tu continues YouTube ou pas, toi? Pas du tout, moi, Pierre. En réalité, moi, je compte vraiment maintenant me limiter aujourd'hui sur Twitch. Je fais des lives tous les jours à partir de 21h et le Horror Show à 23h, ça change pas. En clair, tous les jours, tu verras toujours un live de moi, sauf si vraiment il y a un imprévu, mais c'est rare. Et sauf le week-end. Le week-end, souvent, ça commence à 22h le live. Hein. Je fais le live un petit peu plus tard, alors je commence un peu plus tard. Et comment dire? Et après, bah, YouTube, en réalité, je m'en sers plus pour mettre les rediffusions, pour que les gens, bah, voilà, ils savent que je fais les lives et qu'après, ils viennent par eux-mêmes, quoi. Mais sinon, YouTube en soi, je pense pas. Peut-être plus tard, ça changera, hein, je sais pas. Mais pour le moment, je pense pas que YouTube va devenir quelque chose ou quoi en particulier. Ça va être surtout Twitch et rien d'autre, quoi. Au final, voilà. Bon, bah, j'ai un souci, hein, les amis. Hein. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Hein. C'est pas très bien expliqué, quoi. Récupérer le cylindre de compression. Ouais, je suis complètement paumé. J'ai jamais joué à Alien Isolation et j'avoue que si je le fais, je vais me chier dessus. Ah oui, il fout les boules. Là, on est un peu bloqué, c'est un peu nul comme gameplay. Mais il fout les boules comme jeu, c'est sûr. Oh, mais c'était ça! Oh, mais fallait le savoir, cette couille! Oh, mais ils sont sérieux, mais je savais pas. C'était tout bête. C'était tellement bête, putain. A chaque fois, je me fais avoir par des trucs bêtes comme ça. C'est fou, ça. Demain, je vais faire un stream horror sur soit Outlast, soit un autre jeu que je peux acheter. Bah oui, t'as raison. Hein. Jeu d'horreur, moi, j'aime bien aussi. Alors, si tu as des propositions, bah moi, franchement, pas du tout. Moi-même, des fois, je galère. Maintenant, Outlast, Layer of Fear, c'est des bons petits jeux. Je conseille vraiment tous ces jeux, ils sont cool, quoi. Moi, Twitch, ça passe par un YouTube nickel. Ça passe pas, mais YouTube nickel, j'ai toujours un truc qui cloche moi. Tu peux pas les pivoter. Parce qu'avant c'était que du YouTube que tu faisais. Bah oui, justement. Mais pourquoi t'étais un abonné de l'époque, Pierre, à l'origine? T'étais un abonné de l'époque où je faisais YouTube? J'avais pas fait le lien, quoi. En faire genre une table. T'as l'alarme, il va. Ratiner, tu devrais te cacher. Bah oui, ouais, je sais. L'alarme, il va ramener le monstre, putain. On est jamais tranquille, nous, c'est pas possible. Ils font chier avec leur alarme aussi, là. Ah, mais c'est pas par là en plus. Non, c'est bien par là en réalité. Ouais, c'est par là que je dois aller. J'évite de courir, hein, parce que sinon on est dans la merde. Par contre, comment je dois faire là? Oh putain, mais c'est pas possible, je suis bête moi. Ah, j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai été jeté dans les murs quand j'étais petit. En réalité, c'est bien par là encore. Hein. Je pars de l'objectif, hein, carrément. Il y a un truc à récup ici en réalité. C'est vrai que je le vois pas, le truc à récup, il est où? Je
pas, il faut récupérer un cylindre ici quelque part. Mais attendez, mais le truc vert, il est là. Alors là, oh là là, je comprends plus rien. Il est là. Bah, d'après l'objectif, le cylindre est ici. C'est quoi ce bordel? Mais ça devient incompréhensible ce jeu, c'est quoi ça? Non, il est là en réalité, il est là ici quelque part, mais je comprends pas là, je pète ou... Il est où le cylindre? Il est ici. Où est ce cylindre, bordel? Et la pile qui lâche au bout de 2 secondes. Mais oui, tu avais à peu près 500 abonnés quand je t'ai connu. Oh putain, oui. Ouais, ouais. C'était vraiment il y a longtemps. T'avais même commenté une de mes vidéos, on avait parlé et joué ensemble. Ah bon? Ah ouais, moi avec ma mémoire, désolé. Derrière toi, je crois. Ah bah je vais regarder Kata, parce que c'est vrai que là, ça doit être à côté de moi, ça me saoule, mais je sais pas quoi faire. Je me souviens même que tu avais dit que tu vivais chez tes parents, c'est ça? Mais un étage en dessous et tu pouvais gueuler et ils t'entendaient pas, donc c'était super cool. C'est ça. Bah, je t'avoue que même aujourd'hui j'ai acheté ma maison depuis le temps. Et bah, je la loue en réalité en ne vivant pas dedans. J'ai ma maison mais je vis pas dedans, je la loue. Et je vis toujours ici aussi, pareil dans l'étage. Ce qui fait que ça n'a pas changé ça honnêtement. Derrière le bouton où t'as appuyé. Ah, derrière le bouton j'ai appuyé. Bah le bouton est là. Kata. Et c'est où après? T'as vu un truc? Ah, je dois être myope, c'est pas possible autrement. Mais je comprends pas d'après eux le. Ah, franchement, je suis perdu. C'est pile où je suis. Pile où je suis. L'objectif est ici, là où je suis. Mais je sais pas où. On va monter peut-être. Il y a peut-être des compartiments. Monte s'il te plaît. Non. Oh regardez, il y a des compartiments. Ah, ah, voilà. C'est bien ce que je pensais, les petits compartiments. Putain, on galère un peu, hein, j'avoue, mais on réussit, c'est déjà bien. Alors, dernière, le bouton que tu as activé, il y a un truc qui est descendu. Une vente de plateforme. Genre, ouais, genre de plateforme. Ah, je croyais. Tu streams avec ta 4G ou tu as la fibre? Bah, moi, en réalité, j'ai une très bonne connexion. On peut quasiment remettre à une fibre. C'est grâce à ça que je live. Hein. Mais c'est pas de la 4G, non, non, c'est bien, c'est une faux. Le changement de musique, il n'y a rien de bon. C'est ça. C'est ça. Ça va tellement pas être bien, ça, je le sens trop. Et là, je dois le mettre où, le cylindre? On va passer le complot. Ouais, en vrai, on doit retourner là-bas. En clair, on va en profiter pour aller sauvegarder, c'est bien. Et tu recommandes combien de débit pour eux, pour pas trop avoir de pixels? Moi, j'ai mis 3000. Bah, moi, j'ai même pas changé. C'est simple. Moi, j'ai même pas changé, dis-toi, Pierre. Alors, c'est un coup, je peux peut-être même améliorer mes lives visuellement, hein, si je modifie. J'ai même pas modifié. Je sais pas. Moi-même, je sais pas. Maintenant, vous, est-ce que vous, dans les lives, vous trouvez que c'est un peu pixelisé chez moi? Un peu fou, c'est propre. C'est vrai qu'en vrai j'ai jamais pensé à modifier l'affichage. J'ai laissé tel quel, alors c'est un coup, on peut peut-être faire mieux quoi. Allez, on remplace le cylindre. Elle a pas peur de se faire électrocuter. Nickel. Oui. Bon ben mes amis, nous allons sauvegarder. Et voilà. Bon ben voilà, ben mes amis, moi ce que je vais faire c'est que moi je vais quitter tout simplement le Horror Show hein, parce que ça fait quand même un bon 1h20 qu'on le fait. Moi ce que je vais faire par la suite, parce que je vais pas vous mentir que demain je ne travaille pas normalement si tout se passe bien, ce qui fait que c'est pas impossible que je vais refaire un live juste après celui-là hein, ça va un peu changer de l'habitude, ce qui fait que je vais peut-être tout simplement live sur un autre jeu que l'Horror Show. Au moins on aura fait notre petit Horror Show comme prévu. Et après on va peut-être repartir sur Rainbow Six, qui sait, parce que j'ai vu que vous avez bien aimé aussi Rainbow, ça peut être intéressant à voir ce qui... A voir, c'est un coup, il n'y aura peut-être pas de live aussi, mais bon, je pense pas, on verra bien. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, tous les follow, les viewers, qui ont dépassé un nombre incalculable aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein.
Franchement, j'ai déjà connu des belles journées, mais là, c'était terrible, quoi. On est passé à 16 sur Rainbow Six, là on est 11, enfin vraiment super. J'ai eu 2 subs aujourd'hui, je remercie franchement un grand merci les subs d'aujourd'hui. Il y a eu VV qui s'est sub et Pierre, un grand merci à vous en tout cas. Et un nombre de follow incalculable, hein, j'en ai eu 12. En général, il me faut plusieurs jours pour en avoir 12. Hein. J'en ai eu juste en une journée. Ce qui fait que c'est juste incroyable. En clair, un grand merci vraiment à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, comme je vous ai dit, moi, un rêve que j'aimerais un jour, c'est arriver à être constamment 20 sur les lives. C'est pas énorme, hein, on n'est pas loin en plus d'y arriver, mais bon. Tout le temps 20, je trouve ça super, ça donne de la vie, c'est cool. Déjà là, je suis content de ce qui se passe parce qu'on s'ennuie rarement. Hein, ça parle dans le chat, c'est le principal. Et voilà, en clair, franchement, pour le moment, tout se passe bien et je suis très content de ça. Et moi, il m'en faut pas plus, quoi. Alors, c'est quoi ton micro? Moi, c'est un Blue Yeti. Et oui, je stream avec Streamlabs, ouais. C'est OBS que j'utilise. Tu retournes dans la folie d'avant. C'est ça, Zeliak. Tu joues sur PC. Moi, je joue sur tout, Pierre. PC, Xbox, PS4. Ça dépend en réalité de moi, ce que je veux streamer, ce que je veux jouer, quoi. Moi, je vais me coucher, je te dis à demain. Ça marche, Zeliak. Ben, un grand merci d'être venu, en tout cas. Bonne soirée à toi. Peut-être à demain, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Ah, tu le mérites. Tu te donnes à fond, ça a l'air. Moi, j'ai apprécié, donc je reviendrai. Mais un grand merci, Kata, en tout cas. Un grand merci, c'est gentil. Bah, je veux dire, je me donne à fond, un peu oui et non. Bah, déjà, parce que c'est un peu comme. Enfin, c'est un peu ma manière d'être, je veux dire. Moi, j'ai un petit peu cet humour, j'ai un petit peu cette ambiance. Moi, j'aime faire les lives. Ça me fait penser à l'époque de YouTube, quand je faisais YouTube. Alors, moi, ça me fait plaisir, en clair. Tant que ça vous fait plaisir en même temps, tout le monde est content, quoi. Moi, j'aime bien le faire, alors tant mieux. Bisous à tout le chat, bonne nuit, Zeliak. T'y arrivera, ça fait quoi? Ça fait quoi, un mois, c'est ça? Ça fait qu'un mois que je live, c'est ça? Tu es revenu, c'est bien déjà, tu as une bonne petite notoriété. Ben, je suis content surtout des petits habitués qui viennent régulièrement, qui sont quasiment constamment là, comme toi par exemple, Zeliak. Enfin, je veux dire, des gens comme toi, il y en a pas mal qui commencent à se faire, ou qui viennent constamment, qui sont des petits habitués. Et ça fait plaisir d'avoir des habitués qui commencent à venir et se dire que ben, je peux streamer n'importe quoi, ces personnes-là sont là. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Au final, je me dis, waouh, enfin, les gens, ils viennent même plus pour le jeu, quasiment, des fois, ils viennent juste pour moi. Je me dis, putain, je fais quoi de si spécial pour que les gens, ils viennent juste parce que c'est moi qui parle. Mais, alors, c'est super parce que tu fais des streams tous les jours. C'est ça, tous les jours, en fait, je m'arrête pas parce que, bah, déjà, moi, je suis quelqu'un qui joue tous les jours à la console, après mon travail, après tout ça, et je me dis, ça me coûte rien de streamer en même temps, en réalité, ça revient exactement au même. Et en même temps, bah, voilà, vous aimez bien, ça, enfin, moi, j'ai un petit peu un humour débile et j'ai vu que la plupart, ça vous fait rire. Alors, moi, je me suis dit, que ça coûte rien de le faire, quoi. Au final, ouais, tous les jours, moi. Et je compte même faire tous les nouveaux jeux qui vont sortir par la suite aussi. Ce qui fait que, même si on commence doucement à se lasser avec les jeux qu'on a, tous les nouveaux jeux, Call of Duty, Ghost Recon, Borderlands, le nouveau Star Wars, enfin, tous ces jeux-là vont être faits sur ma chaîne, c'est ça qui est bien. Ce qui fait que, un peu comme je faisais à l'époque, Pierre, hein, je sais pas si tu te souviens, je faisais tous les nouveaux jeux en vidéo sur YouTube à l'époque. Bah, ça va être le même style, ça va être la même chose. Je vais live sur des trucs habituels comme Rainbow, ce genre de jeu ou quoi. Et il y aura les nouveaux qui vont passer aussi. Ça va être comme YouTube en réalité. Sauf que là, la différence, c'est que je communique avec vous et je vous parle. C'est que je ne pouvais pas vraiment faire à l'époque vu que c'était des vidéos. Moi, j'ai le Blue Yeti. C'est ça, ah, ouais, le Ball. Ouais, je vois c'est lequel, le Ball. Il est pas mal, le Ball. Moi, j'aime bien aussi. Sauf si tu veux pas me voir. Ah, c'est cool, on devient une petite famille. C'est ça, une petite famille, Zeliak, c'est ça. Sache que je serai là maintenant que... Alors... Maintenant, ça m'avait manqué de pas voir tes vidéos et maintenant tu streams. C'est encore mieux. Bah, c'est vrai, c'est encore mieux d'une certaine manière parce que je peux directement parler avec vous. Et en plus, je stream surtout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup plus d'heures de stream aujourd'hui que de vidéos de l'époque en réalité. Je suis plus là qu'avant. Et comme en plus, je peux parler directement avec vous, même sur Discord si vous en avez envie. Bah, en vrai, c'est tout bénef quoi, hein, pour les gens. Parce que bah, c'est mieux en réalité. Je suis encore plus là qu'avant. C'est plutôt cool. Tu es toi, tout simplement. C'est ça, Zeliak. Moi, j'ai un peu une personnalité un peu conne, c'est comme ça. Moi, je m'en fous un peu de tout, en réalité. Enfin, je prends tout à la rigolade, quoi, c'est vrai. Que... Fais des feats avec des autres streamers. Ah, je sais pas ce que c'est, des feats, Pierre. Je suis un inculte, hein, moi. Mais au final, voilà. Ben, mes amis, ce que je vais faire, c'est que... Comme d'habitude, je vous invite aussi à rejoindre le Discord si vous en avez envie. Comme ça, on pourra se parler ou quoi. Moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. En clair, je vous invite à le rejoindre. Tout est dans la description, de toute façon, il y a tout. Les plannings, vous pouvez rien rater. Hein. La description est complète. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous en avez envie pour nous parler de temps en temps. Il y a aussi le bot aussi qui annonce les lives qui arrivent. Ce qui fait que vous êtes aussi notifié dès qu'il y a un live. En clair, c'est bien de rejoindre le Discord, pour faire simple. Au moins, un jour, on se créera une petite famille. En plus, ce qui est bien, c'est que si vous affiliez votre compte Discord à Twitch,
Quand vous vous abonnez, ça veut dire l'abonnement, le sub sur Twitch, vous êtes directement sub sur... Enfin, vous faites partie de la catégorie des gens qui sont sub sur Discord. Et vous avez accès au channel sub. C'est, en réalité, c'est affilié. En réalité, les Discord reconnaît les viewers qui se sont sub. Ce qui fait que c'est pas mal. Mais pour ça, il faut que vous affiliez vous-même votre Twitch à Discord. Comme d'habitude, je vous invite à partager mes lives, ce qui me ferait un grand plaisir. Voilà, voilà. Comme ça, un jour, on arrivera à nos 20. Je vous ai dit, en plus, dès qu'on arrive à 20, j'offre des subs gratuits. Je vais peut-être en offrir un ou deux pour vous faire plaisir, parce que c'est vrai que 20, ça serait vraiment un chiffre que j'ai vraiment envie d'obtenir. En clair, on n'a pas réussi encore à le toucher, ce chiffre. Mais si on y arrive, je serais content. En clair... Comment dire ? En clair, voilà, je vous invite à ça. Et moi, comme d'habitude, bah, moi, je vous dis sûrement... Bah, à tout de suite, parce que je vous ai dit qu'on va peut-être refaire un live tout de suite en vrai. Alors, pour ceux qui veulent rester, restez en vrai. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas et qui partent, bah, je vous invite comme d'habitude à venir demain à 21h. Hein. Il y aura un live comme d'habitude et l'horreur show comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de changement. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. J'adore pouvoir interagir avec les viewers. Bah, moi, c'est ça, Pierre, en réalité. Hein. C'est carrément ça. Je préfère les streamers que les vidéos. Bah oui, c'est mieux, hein, c'est ça. Si naturel, c'est d'avoir une personnalité conne. C'est ça, ouais, moi je suis naturel, hein, je m'en fous de tout. Le Discord est dans la description, Kata, si tu veux. Mais attends, je peux essayer peut-être de vous donner le lien, deux secondes, je vais vous le donner tout vite. C'est un lien qui vous invite automatiquement hein, dans le Discord, ça vous met d'office dans le Discord, vous êtes invité. Alors, je vais essayer de vous le donner. Alors, des feeds, c'est-à-dire jouer avec des streamers et d'autres... Ah, d'accord, ah, je savais pas. Bah ouais, mais le problème, c'est que je n'ai pas grand monde qui sont streamers et qui jouent au même jeu que moi, tu vois. C'est aussi ça, parce que moi, j'avoue que je varie souvent, alors... C'est un peu le bordel, moi. Voilà, je vous le colle. Et voilà. Alors, encore un truc que j'ai pas dit faire. J'ai pas dit faire. Il n'y a pas de commande. Ouais, il n'y a pas de commande pour le moment Discord. Il faut encore que j'essaie d'aller plus dans les détails. Dans les détails du bot, Pierre. À demain, gros bisous. Merci, Zéliac. Un grand merci. Bonne soirée à toutes. Au final, voilà. Putain, j'ai un mot d'estomac. C'est un truc de fou. Ça vient de m'arriver. Mes amis, je vous dis à tout de suite. Un grand merci d'être venu. Franchement, ça m'a fait plaisir. On a tourné à 11. On a pas sauté, en fait. On est resté dans les 10. C'est vraiment génial. Moi, ça me fait plaisir quand on descend pas des 10. C'est vraiment cool. Je me dis, oh, il y a des gens. C'est cool. C'est agréable. Lié à Discord, à Twitch, je trifouillerai tout ça demain. Ça marche, Eliac, pas de soucis. Et moi, voilà, comme je vous ai dit, moi, je vais peut-être aller sur le Discord maintenant, d'ailleurs, pour si quelqu'un a envie de venir. Moi, ça me dérange pas de parler avec vous si vous en avez envie. Je vais y aller tout vite parce que je dois faire des modifications dans le Twitch. En clair, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, me parler. Voilà, et moi, je vous dis bah, à tout de suite, sûrement, enfin, à tout de suite, à peut-être dans une vingtaine de minutes pour un prochain live. Au pire, vous serez notifié s'il y en a un de toute façon après. Et si pas, je vous dis à demain, comme d'habitude, vers 21h, mes amis. Voilà. Tu sais que tu peux mettre latence faible dans les paramètres Twitch, il y a moins de temps d'attente entre les commandes. Je l'ai mis ça déjà, Pierre. Mais ça varie encore en fonction des connexions des gens aussi. Je t'en prie, à demain. Ça marche. Bonne soirée, Zéliac. Je te dis à demain aussi à toutes, car je dois dormir. Ça marche, Kata. Bonne soirée à toi. Merci. Merci d'être venu à toutes. En tout cas, moi, je stream. Si tu veux, je suis dispo. Bah ouais, pourquoi pas, si on a les mêmes jeux. Ça peut être cool. Bah mes amis, je vais sur le Discord, je vous dis à peut-être après pour le prochain live, et au pire, comme je vous ai dit, que je répète 20 fois, à demain pour le prochain live, si vous ne savez pas venir, dans celui qui va peut-être arriver après. En clair, à tout de suite pour un prochain horror show ou un prochain live tout court, mes amis. À toutes. À toutes. Pourquoi pas, je continuerai. Peut-être qu'il y a quelqu'un de sympathique qui pourrait m'offrir un café. Pauvre con, va... Oh putain. Oh putain, le con. Oh le con, il est tellement con, c'est un truc de ouf. Oh cette violence. Oh cette violence de ouf. Oh le con. Ah mais en réalité il a rallumé le courant. Oh. Ferme, ferme, ferme. Oh, 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 oh. Je suis dans la merde. Oh putain. Allez, encore un petit effort. Ah. Pauvre con, va. Faites attention, vous êtes dans le horror show. Ha 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 ha.